Salut tout le monde, c'est Barre de Fer, comment allez-vous? Moi personnellement ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Hunger Games sur les serveurs Minecraft-HEG. Oups, désolé, gros fail de ma part, j'ai éteint l'enregistrement comme ça, d'un coup de main en fait. Je voulais me remettre en vue normale et comme un con j'ai appuyé sur l'arrêt. Bref, on s'en fout. J'ai pris le kit Cultivator Pro tout simplement car le kit Miner Pro m'a déçu à la dernière vidéo. Et aussi parce que je n'ai pas vu de nourriture aux alentours. Donc avec Cultivator Pro, moi je suis sûre de ne pas crever de faim. J'ai déjà vu un lac de lave, donc je l'ai déjà mis un waypoint. Et puis bah, je vais visiter encore un petit peu la map en attendant que ça démarre. Et puis, ah bah non, j'ai plus de faim. Bon bah, on va attendre tranquillement ici. Et puis voilà, donc j'ai rien de spécial à vous dire, à part que peut-être bientôt une nouvelle aventure, enfin une nouvelle série en PVP va démarrer. Enfin, c'est pas encore dit, hein, on va voir, je vais m'arranger pour trouver un. En fait, je vous explique, c'est en fait faire une aventure sur un serveur full PVP. En faction, en fait, je sais pas si vous connaissez, c'est vous faites votre stuff, etc. Il faut aller tuer des gens, mais ça dure des jours et des jours. Vous voyez, c'est pas comme un Hunger Game où ça dure une heure maximum. Là, ça dure des jours et des jours, c'est jusqu'à que le serveur le serveur ferme tout simplement. Donc voilà, je vais essayer de trouver des graines, et puis voilà, on n'a pas, j'ai pas vraiment. D'autres astuces à vous donner dès pour le début, c'est trouver une graine si vous êtes cultivateur pro, et puis vous faites ce que vous voulez, soit vous faites du PVP, soit vous faites du minage, mais je vous conseille plus du PVP. Enfin, c'est vrai que si vous faites pas vraiment du minage intensif, c'est mieux. Vous faites du minage et ensuite vous faites du PVP. Mais n'allez jamais dans les couches 5, 6, ça sert totalement à rien, à part faire chier les autres et vous avez moins de chances de trouver du fer. Donc voilà. Donc d'ailleurs, là, il y a une genre de petite grotte. Je vais un peu m'y aventurer. Alors, il y a des soucis de craft, j'ai l'impression. Ok. Donc voilà, super. Les bugs de craft, ça m'était pas arrivé depuis nombreuses parties. Ah, d'un coup ça bug, d'un coup ça bug plus. Bizarre. Ce serveur est bizarre, moi je vous le dis. Au moins se faire une épée avant le début, quoi. Ce serait gentil. Ce serait mignon. C'est bon. Les gars, ils ont l'air de se barrer. Peur de moi. Coucou. Taillot. Je me casse. Je crois qu'ils sont deux. Ou trois. Ils sont trois. Énorme. Il y en a trois qui sont en train de me courir après. Ouais. Bon, je vais faire comment moi? Parce que là, j'ai l'air d'un idiot. Creeper qui m'attaque. Oh, cool. Je me casse. Très loin. C'est pas une bonne idée d'avoir fait ça. J'ai pas l'impression qu'ils me suivent. Enfin, ce serait idiot de se faire tuer quand même. Ces bugs de craft vraiment me saoulent à un point que je ne pourrais décrire. Je trouve ça vraiment honteux que des serveurs arrivent à faire des bugs comme ça de craft. Mais bon, c'est la vie. Écoutez. Hop. Voilà. Je vais laisser ça aussi parce que ça me sert totalement à rien. Je sais même pas ce que ça foutait dans mon inventaire d'ailleurs. Mais je crois que les autres sont en train de se. Ceux qui me suivaient sont en train de me rechercher, mais ça je suis pas sûre.
Enfin bref, j'ai coupé juste vite fait le waypoint. Donc vous voyez, là je me suis mis en un moment de minage. Parce que de une, j'avais aucune chance de m'en sortir si j'essayais de me fight contre eux. Donc j'ai préféré fuir. Et ouais, je sais, c'est pas bien de fuir, mais bon. J'ai préféré fuir. Et puis miner un peu quand même. Pour éviter de mourir comme un idiot. Surtout qu'en plus, je filme quoi. Donc, si je propose une vidéo, est-ce que je vais jusqu'à 2 premières minutes, ça le fait pas trop quoi. Enfin bref, j'ai arrêté de parler pour dire de la merde. Là j'ai déjà un plastron, enfin de quoi me faire un plastron. C'est déjà ça. Attention aux zombies. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait une partie, on n'était plus que 2 personnes, et comme un idiot, je suis mort à cause de zombies. Je peux vous dire que ça fout la rage, et que ensuite, vous faites vraiment attention à tout ce qui est mob. Enfin bon, bref. Je vais prendre tout le fer possible. Ok. On n'a pas énormément non plus dans cette grotte. Hein. Normalement, j'ai des filons de 8, 9 fer, enfin des trucs du genre. Là, il y en a 1, 2, peut-être 3 des fois. Voilà, par exemple, c'est ça que je parle. Faire attention à ça. Parce que là, j'aurais pas réagi aussi rapidement. J'étais mort, tout simplement. Hop. Désolé aussi si vous entendez des voix derrière moi. Je me barre. Là, il y a une tribu de squelettes. Ce n'est pas une bonne idée. Bon, ben, je pense que je me... Hop, hop. Ouf. J'ai rien compris à ce qui me passait. En fait, j'avais l'impression que j'en avais un derrière moi aussi. Alors que non, en fait, non. J'en avais pas derrière moi. Et j'ai eu chaud parce que j'ai vraiment eu peur. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Par contre, pour remonter, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire à la manière paumée, c'est-à-dire creuser au-dessus de moi et monter. C'est ça, j'appelle ça la manière paumée, je sais même pas pourquoi. Donc là, il y a un lac de lave. Donc je vais faire mon... Non, en fait, non, je dois revenir et aller retrouver ma table de craft. Sinon, ben, je suis perdu. Parce que je n'ai pas de bois. Donc, si je me rappelle bien de la route, c'est par ici. Par contre, ça me saoule. Il y a une tribu de tout ce qu'il faut pas. Si je peux essayer de m'en faire un par un. Non, ça n'a pas l'air. Je me casse. En plus, j'ai plus de bouffe. Protection, ça c'est ce que j'appelle de la protection vraiment énorme. Bon bref, comment vais-je faire, surtout que j'ai des idiots qui sont à ma poursuite. J'ai lancé quoi? Ok, j'ai lancé mon gravier parce que je ne voulais pas lancer. Bon, niveau flint, j'ai de quoi faire. Mais c'est niveau bois, par contre, là, je suis un peu mal. Et en plus, j'ai pas de cube de terre pour me faire de la bouffe. Oui. Ah, parce qu'en plus, je suis au niveau de la redstone, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu, je suis quand même à la couche 13. Ah ouais, bon, ben, moi qui disais, n'allez pas dans la couche... Dans les couches 5 aussi, ça sert strictement à rien. Ben, qu'est-ce que je fais? Je suis aux couches, de vers 5-6. Enfin bon, bref. On s'en fout de ce que je dis de toute façon. Hop. Hop. Et donc, j'aimerais quand même aller poutrer des gens, mais bon, c'est mal parti. En plus, il y a des méchants qui m'attendent de l'autre côté. J'ai plus de graines. Youpi.
J'adore ce nouveau concept des vidéos les plus fail de la terre entière. J'aimerais cette vidéo, je crois qu'elle va être en première place. Hop, je m'en suis sorti. Oula, mauvaise idée, les araignées. Ouf, c'est bon. J'ai vraiment cru que là, une pomme de terre. Alléluia. Non, ça remplit que ça comme bouffe. Quel idiot. Par contre, ma table de craft, elle est par où? Ah, il y a mes roses. C'est que c'est par là. Creeper, tu te barres. C'est par là. Mauvaise idée. Il est par où? C'est vraiment chaud là. Je vous jure, c'est vraiment chaud. Vite, hop. Ah oui, c'est vrai, ça bug. Les monstres, ils m'ont tellement effrayé que je savais même plus que ça buguait. Regardez-moi ça, mais je peux même pas transporter ma nourriture. Quelle arnaque. En plus, je suis même pas encore en haut de ma barre de faim. Je vais manger de la viande de zombie. Plus que ça à faire. Hop. Non, bah non. Ça veut toujours pas, écoutez. Tant qu'à faire. Autant que ça dure. Ah là là. Enfin. Un four. Je vais manger de la viande de zombie. Pour essayer de remonter un peu ma barre de cœur. En plus, le coffre qui se pose. Je suis vraiment à la ramasse, hein, je vous jure. Cette partie, c'est vraiment le fail rempli. Toi, t'es mort. J'ai tué une pauvre chauve-souris sans défense. La pauvre. J'espère qu'elle a pas trop souffert. Hop. Alors, du fer. Je crois que j'en ai assez pour un moment. Oh, one shot. Niveau XP aussi, je crois que j'en ai assez pour une armure, enfin une full armure et une épée. Tant mieux. Hop, allez, je redescends. Ça suffira amplement. Oula. Eux, ils sont bizarres. Ils font les kamikazes pour mourir. C'est idiot. Par contre, niveau os, je crois que je fais vraiment une récolte d'os. Hop. Les yeux d'araignée, ça me sert totalement à rien. Ah oui. Bug de craft, j'ai à peine de m'en rappeler. Oh, ça va. Pas trop là. S'il vous plaît. Voilà, merci. Hop. Je vais faire un second four. Mais je vous avoue que cette partie, elle est bizarre. Tout d'abord par les bugs de craft. Et par tous les fails aussi que j'ai fait. Et par mon manque de sujet. Après, qu'est-ce que je vais faire? Faudra que je retrouve aussi une graine, si c'est possible. Faire une épée. S'il vous plaît. Si ça veut bien, bien sûr. Si ça veut pas, tant pis. Ah. Attention. Youpi. Ça a voulu. Hop. Ensuite, c'est l'épée, j'en ai plus besoin. Je vais me faire un pantalon. Et ensuite, un petit briquet. Hop. S'il vous plaît. Que ça dure pas trop longtemps. Merci. Oh, du premier coup, le briquet. Ça, c'est rare.
Hop. Ça bug vraiment le... Oh ouais, en plus on n'est plus beaucoup. En fait, depuis tout à l'heure, je suis tranquille dans ma grotte et ça se vide et puis bon, pendant ce temps, je me stuff tranquille. Et je sens que ça va mal finir parce que j'ai pas fait un seul kill de la partie. Donc ça va être une partie tout naze, toute naze. Et je sens que je vais pas lui plod. Si je fais même pas un kill, ça sert à rien. Hop, j'ai un casque. Je me fais des bottes. Si ça veut bien marcher. Voilà, je me fais un saut. Et on sera paré pour remonter à la surface. Oui. S'il vous plaît. Non, mais c'est bon. Je suis tellement l'habitude que ça dure longtemps que je m'y attendais pas à celle-ci. Hop. Vu que j'ai pas beaucoup de blocs, je vais prendre la source d'eau par ici. Oula. Encore le maudit creeper. C'est rempli de mobs. Hop, voilà. Bon. Alors. Ah bah, ça va, elle me fait... La source d'eau me fait remonter, donc ça va, c'est cool. Par contre, après... Où est la sortie? J'en ai aucune idée. Toi, laisse-moi tranquille. Oula, invasion de mob. C'était sûr ça. Je suis passé par là, je sais vraiment pas par où je passe, mais bon. Salut toi. Et il y a la table de... La table d'enchant qui est arrivée. Saloperie. Je peux aller assez rapidement. Toi, par contre, t'es enfermé. Si ça pouvait mener à la sortie, s'il vous plaît, ce serait gentil. Non, ça a pas l'air de vouloir mener à la sortie. Ça a même pas l'air de vouloir monter. Donc, bon, on va le faire à la manière que j'ai dit, la manière tortue. Je sais plus ce que j'ai dit comme nom d'ailleurs. Hop. On va remonter. Ça a été une partie plutôt bordélique. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, ça arrive. D'ailleurs, j'espère que ça arrivera pas trop de fois. Parce que c'est vraiment gênant. En plus, j'ai rien à dire. Je crois que c'est vraiment bizarre cette vidéo. Bizarre. Et en plus, je vais crever de faim. C'est vraiment la totale. Par contre, j'espère ne pas être trop loin non plus encore de du sommet. S'il vous plaît. Ah, voilà, je crois que j'y suis. Hop. Ouais, j'entends des squelettes. Voilà. Oh, putain. Aïe. Oh, j'ai vite tes flèches. Ah bah non. Bon, alors, j'ai une graine. J'en profite pour me faire. J'ai vu une flèche voler. Bizarrement, je trouvais pas ça vraiment cool, mais bon. Il a pas l'air d'y avoir du monde. Hop, je vais en prendre un petit stack, ça suffira amplement. Et puis voilà, on est paré. Voilà, 63, parfait. Plus besoin de ça, plus besoin de ça, et plus besoin de ça, ni de ça. Hop, donc je vais me prendre un cube pour me faire une flèche qui bug. Je vais me faire une table. Hop. Ah oui, c'est vrai. Bug de craft.
Non. Ça pouvait éviter de... Plaque de pression. Bien sûr. Voilà. Bon, alors, je vais me faire du pain. Ça, c'était sûr. Si ça saoule trop, je vais pas le faire. Bon. Voilà, on laisse tomber. C'est mieux pour moi. Sinon, ça va m'énerver. Alors, on va aller voir. Rayon, machin. Ça démarre bien. Alors, il est par où lui? Il a l'air d'être par là-bas. J'espère qu'il n'est pas en train de miner parce que je ne peux plus supporter le minage maintenant. Pour cette partie, bien sûr. Je vais prendre un seau d'eau aussi. Hop. C'est dommage que sur ces serveurs, il n'y a pas marqué le nombre de blocs d'où on est avec la personne qu'on suit. C'est idiot, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Parce que là, s'il y a marqué par exemple 300 blocs, je sais que je vais pas y aller. Ça éviterait de me faire perdre du temps, mais bon. C'est pas grave. Hop, bon. Moi, je lui dis oui, c'est pour les crafts surtout. Que moi, ça lag. Sinon, j'ai. Ah, mais ils sont deux. Ils sont en team. Il me semble qu'ils sont en team. Bon bah si je meurs comme un idiot, je sais déjà que cette partie ne... Ok, ils sont pas en team. Ils sont pas en team, ils sont pas en team, ils sont pas en team. Alors. Où est-il? Non, pas dans le biome jungle, j'espère. Ah, le voilà. Je vais mettre des roses. En guise de gratitude. À mon ami. Coucou toi. Alors, comment vais-je gérer? Comme ça. Et lui, il est mort. Voilà. Parfait. Il y avait une canne à pêche. Trop cool. J'ai pas besoin de tout ça. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Casque aussi, tant qu'à faire. Ensuite, Sangui Vise. Vise. Enfin, bizarre le nom. Sangvise. Où es-tu? Ah, mais en fait, il y a eu plein d'endroits que je n'ai pas visités. Ou alors, c'est que là, je reviens vers le spawn, j'en sais rien. J'en ai vraiment aucune idée. Je sais même pas où il est le spawn d'abord. Je vais remettre le checkpoint, ça montre à peu près où il est. Il y a 300 blocs à peu près. Il y a 3 creepers qui me regardent. Il y a 300 blocs environ le spawn. Et d'ailleurs, j'espère que l'autre. Ah, il est sous terre. Ouais, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, quoique si, après il va me saouler sinon. Ouais, je vais y aller, écoutez. Peut-être c'est idiot ce que je fais. Peut-être je vais mourir comme un idiot. Mais c'est pas grave. En tout cas, faut le faire en chante. Ah ouais, bah, en tout cas, il sait mentir, tu vois. Ça, c'est des gens, ils savent mentir au moins. Ils sont directs. Ils savent mentir et puis voilà. Direct, j'arrive. Il est en train d'écrire. Tant mieux, ça m'a facilité la tâche. Mais j'aime bien comment c'est un mytho. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a écrit ça. De toute façon, c'était pas vrai, donc il allait vite mourir si c'était. Bon, bref, on s'en fout. Je vais pas rester 30 heures sur la question. Et je vais me diriger vers le spawn. Ok, pas de joueurs aux alentours. C'est pour ça que je retourne vers le spawn. Hop! Donc bon ben ça va, la partie se déroule plutôt pas mal, en même temps j'ai miné la moitié de la vidéo, on va dire. C'est pas grave, je la mettrai quand même, écoutez, hein. Ça vous montre un peu les failles qu'on peut faire, hein. Même moi, hein. Je suis normal. Bon bref.
D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai dit même moi. Parce que j'en fais souvent des fails. C'est mon habitude un peu. Si je fais pas de fails, c'est vraiment que c'est plus moi, que je suis mort. Enfin bref. Donc, il y a la table enchantée qui est apparue, il y a un coffre qui est apparu. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui doivent être plutôt pas mal stuff. Gustabilla. Ok, vive le nom. Gustabilla. Salut, je m'appelle Gustabilla. Ah, génial comme nom. Bon, bref. On s'en fout. Bref. 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 Et encore bref. Alors. Moins 402, 123. Ok, j'y suis pas du tout. Moins 402, 123. Oh, si, en fait, non. Je suis presque. 402, 123. Bah ouais, je suis pas loin, en fait. Moins 402, 123. Voilà. Ça doit être tout droit. D'ailleurs. Ok. Il n'y a rien. Le gars, c'est... Aïe. Witness. Ça va, il me l'a mis un peu loin. Ouais, bon. Bon, je fais quoi? Je vais le taper. Bon, et s'il veut être avec son sodave, si tu veux, mais... Il est con, il se l'est mis à lui-même. Fire résistance. Non, j'ai pas compris, là. Fire aspect. Efficiency. Infinity. J'ai envie de retourner à l'autre... Juste pour m'amuser. J'ai envie de retourner à l'autre truc. Mais c'est loin quand même. Mais juste pour m'amuser. C'est con, non? Non, c'est con ce que je vais faire. Parce que je voulais mettre Fire Aspect sur, sur mon épée, mais bon, c'est pas grave. Ma pioche? Ah non, c'est bon. Non, non, elle est vraiment plus là. Bon, c'est pas le plus important, une pioche. Quoique si. C'est plus important une pioche. Je retire ce que j'ai dit. Sans pioche, je suis mal barré. Hop. Hop. Bon. Alors, mon épée. Je vais mettre un 4. Ah oui, ok. Bon, bah merci le 4. Hein. Autant prendre un 1. Et c'est pareil. C'est pas grave. Je regarde derrière moi au cas où. Je me déshabille. Alors, projectile protection, protection, protection. Bon, ça va. C'est pas trop mal non plus. En plus, je suis full enchante, alors bon. On va pas s'en plaindre. Alors, y a-t-il des gens que je pointe? Oui, il y en a un que je pointe qui s'appelle Stylix. Je vais aller le rencontrer. Et pourquoi pas le tuer d'ailleurs? Excusez-moi pour ce reniflement tout à fait charmant. Ils sont en team. Ils sont en team, ils sont en team, ils sont en team. Est-ce que je peux les gérer? Oui, j'ai protection, tout ça. Je peux les gérer. Par contre, j'espère qu'ils sont pas sous terre, ça me saoulerait. Parce que sous terre, ils ont un avantage que moi j'ai pas. C'est qu'ils connaissent un peu le terrain, on va dire. Enfin, le terrain. C'est une façon de parler. Ah non, ils sont pas en team. Bon bah tant mieux. Ça va me faciliter encore plus la tâche. Aïe. Ça pique. Par contre, s'ils pouvaient éviter d'être dans le biome jungle, ça m'arrangerait. Parce que se battre dans un biome jungle n'est pas le plus pratique. Mais bon. Oula, il lag un peu, coquin. Il essaye de se barrer. Mais viens par ici, toi. Bon. Pourquoi il se barre? Reviens. Rejoins mon clan. Bon, il est mort. Bien joué à lui. Et voilà, c'est comme ça que se termine
cet Hunger Game. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé, même si c'est vrai que la moitié de la vidéo n'était pas forcément sympathique, mais bon, c'est pas grave. Allez, moi je vous dis à plus. Ciao tout le monde.